Mesdames, mademoiselles et messieurs, devant porte tourner derrière caille, Pierre Espérance, cap Avili France LB. Alors, traka papa, oui, j'entendais Pierre Espérance, Avili France LB qui n'a cocodai ensemble avec chef de gang Vite l'homme et toi Espérance. Ou pas songer comment on te défend Fantôme 609? Frères et sœurs bien-aimés, gen cause pour qu'on est. Activité transport public qui reprend timidement sur route nationale numéro 1 après environ 3 mois depuis nèg exam te paralysé toute activité dans zone si là mais passagers ak transporteurs kap si ki les sur route là exprimé que kase yo gen à cause absence la police sur route là yo crainte pour bandi pas envahi yo n'importe qui l'est. Soulima Valsin, senon yon mambo neg ak zam mélange ak population assassiné ak kout roche nan Okay, victime nan akize kom moun ki ta impliqué mystiquement nan la mort yon jeune garçon ki mouri nan yon accident moto. Dirigeant KNVA, Alix Kompa ki denonce zak sa, mande tout vodouizan désormais marche tout paré pour faire face ak moun kap atake yo. Plis passe yon dizaine moun nan commune Liankou mouri en babal, plis passe 20 moun blessé par bal, 12 kay population passé en bas flam di fe, soti 14 pour rive 23 juillet. Se bilan zak attaque ame bandi sa vie yo fe sous population Liankou Loise la. Organisation société civile nan commune nan ki dresse bilan sa mande sekou pou population. Mesdames et messieurs, chay saute sous tête, li tombe sous épaule. Notre cher petit panzé Pierre Espérance. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, il y a Pierre Espérance qui dénonce France LB, relation France LB gagnée ensemble avec Vite l'homme. Eh bien, il y a machine Vite l'homme qui est service de l'État, ces machines la police. Eh! Adieu là! Espérance, faut pas ici avec nous. Ni où? Ni Vite l'homme, ni France LB, c'est 50 kobak de goudé. C'est Cabrito Mazo, même pli maï. 31, 21, 61, même tenye. Lors dit Pierre Espérance ou dit Jocelyn Brivé. Lors dit Jocelyn Brivé ou dit France LB. Lors dit France LB ou dit Vite l'homme. Nous tout tenons tout yé Jovenel. M'rappelem, lè que Fantôme 609 fin passe massacre moun Delma 32. Espérance, monsieur Gonjan la pren pour Fantôme 509. Gonjan la défend Fantôme 509. Patron Fantôme 509. Oui, ancien magistrat Port-au-Prince là. Volé le tout en République Dominicaine. Espérance écrit organisation droit moun en République Dominicaine pour dire Kimbe, monsieur. Parce que Sylvini pa Borisit se persécuté ou persécuté. Eh bien, je ne jodi a pour espérance à dénoncer France LB. Faut pas ici avec nous. Et pas même nous même non. Ensemble, nous te mettez pour nous te manger président. En tout cas, justice pour président Jovenel. Justice pour Antoinette Duclerc. Justice pour Diego Charles. Et justice pour Maître Doval. Mesdames, mademoiselles et messieurs, faut que moi dis ou. Chef gang Elifet Albert tombé dans échange coup d'âme avec la police dans cadre d'une opération agent Edmond Noyo mené mardi 25 juillet 2023 dans la Bapé commune Lébé. La police récupéré yon zame créole avec des cartouches 12 en possession Elifet Albert qui était en tête yon groupe qui t'a opéré dans zone handicap Madeline ensemble avec Blue Hills. Eh bien frères et sœurs bien-aimés, individu sa yo spécialisé dans touye moun mette di fe des choukaïté ensemble avec association malfaite. M'a rappelé la police te gen en mail plusieurs mandats contre Elifet Albert Guino Duvernay depuis au Cap Haïtien. Abdi nous plus sous dossier si là.
Dans une opération, la police menait dans le département noir, notamment agent Idmoyo, hier mardi 25 juillet 2023, bon 10h matin, dans la zone Labapin, commune Limbé, chef gang Kirele Elifet Albert tombé dans échange coup de zame avec la police. Bon côté par la police, pas gagné victime, la police récupéré yon zame créole avec deux cartouches 12 en possession suspect là qu'il tape utilisé dans un moment après incident ça juge de paix commune Limbé a fait constat et puis remettre cadavre là by autorité qui l'a pour ça. Il faut d'abord rappeler Elifet Albert dans tête un groupe bandit qui a fonctionné dans zone handicap Madeline et Louise dans ville Cap-Haïtien. Individu si là ça spécialisé dans tout le monde examen mettez des faits dans cahier des choukaïtes ak association malfaiteur. N'a pas appelé la police te gen plusieurs mandats nan mel pour chercher kon ou chou fumifou Elifet Albert qui gen 29 l'année et bien que yo tap chercher depuis bien longtemps. Il faut qu'on dise Elifet Albert si la te accusé dans 2022 là dans mois avril 2022 côté il était accusé plusieurs jeunes garçons qui t'a fait partie de nouveaux riches selon lui qui t'a gagné un problème avec lui et qui même mandé pour yo t'avatiel tandis que la police lui-même t'a déjà gagné un bon genre d'information que jeune garçon si là Elifet Albert c'est t'ava un gros c'est t'ava un chef gang cap opéré dans plusieurs zones dans commune Cap-Haïtien la fin rappelé département noir pour parole PNH la fait qu'on est li pa bay ligue. Il a continué bataille jout maimi pour capable établir la paix dans département noir notamment dans ville Cap-Haïtien depuis au Cap Guino Duvernay pour taxe 509. Dirigeants diverses organisations proches ancien président Jovenel Moïse dénoncent comportement la police nationale qui préférait disperser plusieurs centaines de citoyens qui t'al réfugié devant ambassade américaine à cause violence. À cause violence gang yo nan tabac au lieu yo al déloger gang yo pito comportement ça prouvé en pile policier c'est allié gang yo d'après Rosemont Jean qui c'est dirigeant Front National organisation résistance pour yon Haïti stable démocratique qui dénonce gouvernement qui pas fait rien pour résoudre pour différents problèmes citoyens a fait face tant qu'au grand goût insécurité et la trier dans sens ça militant politique là annoncé présence qui sous béton 28 juillet k'ap vini là contre gouvernement Ariel Henry Boakale yon homme qui paraît ensemble avec yon maillot noir ou gagné kagoul et bien kafo déjà coulé akma pour plus détails frères et sœurs bien-aimés entendez Rosemont condamné comportement police nationale la France selbe te gagné à l'égard moun sa yo qui t'a prend refuge devant ambassade américaine ça c'est un crime. Ça, c'est l'autre crime encore. Et ce crime, nous continuons à faire. Et nous avons dit, moun ça, l'autre, l'autre, ou même qui parle ambassade aujourd'hui, qui parle devant ambassade des États-Unis, qui parle devant ambassade Canada, qui parle devant ambassade la France, c'est aujourd'hui même pour rejoindre nous dans la manifestation, dans la mobilisation. Parce que c'est un projet. C'est un projet pour pouvoir gagner. Pour créer conditions pour permettre une force étrangère de occuper le pays en dehors de toute convention internationale, en dehors de toute norme internationale. Le fait que les Nations Unies, le Congrès, le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé pour que le secrétaire général a produit un rapport pour dire est-ce qu'il y a lieu, est-ce qu'il y a raison. Est-ce qu'il y a des matières convaincantes, probantes, palpables, pour permettre, pour ta permettre une force robuste pour j'ai dit pour venir occuper le pays? Eh bien, puisque vous avez un mois, eh bien, le gouvernement engagé, une série de bras à noir, une série d'escadrons à mort pour augmenter, pour intensifier. Ça aurait le kidnapping, ça aurait le insécurité, ça aurait le la troublée politique là. Toutes ces matières, ces chairs
y a créé pour capable permettre secrétaire général là jouer une matière pour produire rapport par le Conseil de sécurité de l'Union. Ça veut dire nous prenons un complot. Et complot, gouvernement ça qui là, c'est un gouvernement reste avec, c'est un gouvernement criminel qui joue un support et qui travaille pour un bras international qui jusqu'à présent le bâti. Et c'est peut-être ce matin, hein, nous faisons conférence là. Un, condamner ce qui passe devant l'ambassade américaine, côté petit bébé, petit monde. M'bati la police n'a pas intervenu, puisque nous sommes toujours dans la rue, nous sommes dans la rue devant l'ambassade là. M'bati la police n'a pas regardé comment ils sont capables de protéger nous par rapport à gang pour gang pour envahir. Puis ils n'ont pas de mauvais comportement devant l'ambassade là, ce n'est pas ça nous dit. Mais comportement, la police manifestée devant l'ambassade là, ça veut dire son police qui est avec, son police qui est payé pour faire massacre sur les concitoyens qui sont là pour servir à protéger. Nous-mêmes, nous avons dit Moun Sao, Moun Tosel, Moun Taba, Moun Karadi, Moun Girado, Moun Fema, Moun Fojac, Moun Kafoufé, Moun Petionville, Moun Delma, Moun comment dirais-je, Belé Babelé, Delma de Cité Soleil. Et plus que jamais, pour descendre sous béton, dans la manifestation 28 juillet, pour nous dire, Ariel, que nous ne pouvons pas accepter ça, non même. Pour nous venir dire, Ariel, après 2 ans, comment nous comprenons après 2 ans, Ariel va pouvoir, non même. C'est lui qui a pour mettre sécurité. La décaisser l'argent dans le trésor public, faire bandoual, mettre dans toute Port-au-Prince, alors que c'est lui qui a pour mettre sécurité, le refuser. Ils refusent à tout prix pour l'armée d'Haïti participer dans l'opération pour rétablir la sécurité dans le pays. Pourtant, Ariel Henry a décaissé l'argent dans le trésor public, fait un rôle pour dire sécurité. Ariel, pendant 2 ans, il a une mission pour organiser l'élection dans le pays. Il n'a pas organisé l'élection. Il a eu un bon pouvoir, il a perdu la droite. Il a pillé, il a volé, il a tué les gens, il a kidnappé les gens pour faire mon paix. Il a kidnappé les journalistes, il a kidnappé les médecins, il a kidnappé tout le monde. Tout le monde commence à faire. Pendant ce temps, il a mis des bandoules dans la rue en comprenant qu'il a demandé ce qui est élection. Alors que qui est-ce qui l'a pour faire élection? C'est Ariel Henry qui l'a pour faire élection. Il a passé dans la rue. Une manifestation qui a commencé, on branche à en bas lumière la rue. Il y a l'autre branche à en bas viadique Kafoua Yoko. Et de l'autre branche qui a sorti du côté Chamas. Pèlerin, La Boule, Petroville, nous tous ensemble, nous prenons le marché. Nous pas annoncer croisade protestant. Ce n'est pas croisade d'annoncer. Nous annoncer manifestation contre Ariel Henry. Une manifestation côté nous dit notre bataille à tout prix, à toute force nous, pour nous joindre départ Ariel Henry. Activité transport public qui aurait pris sur route nationale numéro 1, hein? Environ 3 mois depuis nèg exam, t'es paralysé toute activité dans zone ça. Mais ça pas empêché nèg exam yo toujours présent sur route là. Moun qui traversait route là dernier temps yo exprimé quelque assez yo gagné à cause absence la police sur route là. Yo crainte pour yo pas victime dans n'importe qui moment depuis arrondissement Akaye, Pascal Fleuristil a dit nous plus. Madame, mademoiselle, c'est monsieur. Depuis environ 3 semaines, le transport public là reprend sur route nationale numéro 1 dans niveau sous Matla, Titan et puis Canaran. Après plusieurs mois, il était fait débilité campé. Bien que l'activité reprend, mais traverser route Canaran tourne en véritable ravine la mort puisque les examens sont toujours présents sur route là. En pile monde qui traverse route nationale numéro 1 dernier jour ça yo, quoi gain en pile risque la donne parce que ces les examens seulement remarqué pas même que présence la police pour accompagner monde qui traverse yo, bien que yo marqué yo pour traverser route là moun sa fait connait jan sa ya n'importe qui lè yo kwè bandi yo capable faire dap piyan sou machine k'ap passe yo bien que gang yo bay passage sou route là yo interdit machine privée faire route là c'est seulement machine qui assure transport public yo nèg exam yo autorisé traverser. Avec activité qui reprend sur route nationale numéro 1, transport maritime n'a complètement baissé. Bâtiment qui te kon soti Waf Jérémy pour venir dans la commune à Kaye yo, yo presque pas venu encore. Parce que c'est seulement quelques moun qui peut traverser route Canaran qui obligé prendre bâtiment pour yo rendre dans la capitale pays ya. N'a fait songer. En pile mouvement fait dans Grand Noa pour te demander de boucher route là.
pouvoir en place là pas même occupé yo jusqu'à ce que yo rivé retirer présence la police dans zone qui pichou yo tant que sous mat là titanien et puis la fito depuis arrondissement Akaye Pascal Fleuristil TAC 509. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je vous ai annoncé, dans le cadre d'opération la police menée contre Bandio, chef gang du Méa, qui c'est Norbo Vanel, alias Vava, tombé dans l'échange coup de balle avec la police lundi 24 juillet 2023. Chef gang Vava, qui t'établit base dans la zone du Mé, dans la commune Croix des Bouquets, la police nationale toujours été déterminée pour le démanteler toutefois et gang, yo, quel que soit côté, yo y a un souci pour faire la paix ak l'ordre rétabli dans la communauté. Ou sérieux la police? Hey la popo! Faut pas ici avec nous là-haut. Mesdames, mademoiselles et messieurs, gardez individu ça ensemble avec est-ce qu'on est bien? Eh bien, individu ça, depuis plusieurs temps, frères et sœurs bien-aimés, te gagnons plainte qui déposé contre lui. Pour habit de confiance ensemble avec association malfaite. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, individu ça qui relait Jean-Michel Jean-Lucito. Eh bien, dans la date 22 juillet, monsieur t'a traversé dans l'aéroport où c'est l'ouverture. Eh bien, bap! Gagne baf qui déposait la patte sous lit. Frère, c'est ça bien aimé, monsieur qui t'a fait chimer cochi ensemble avec un montant de 943,177.19 goud, ensemble avec 900 dollars américains. D'accord, allô? Attends, pour sauver, Warito. Alors, drac, regardez, figuez-moi si, Alma, que oui, moi, c'est ça, vrai, ou pas ici. On quitte ça là pour le pas faire zin.